Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise. Et ici ce sera pas un tuto que je vais vous présenter, mais bien un build que j'ai travaillé autant qu'en live qu'en off. Et ce build est orienté coups et dégâts critiques. Le but va être de faire tout le temps des coups critiques et donc d'avoir 100% d'affinité pour bénéficier des 25% de dégâts en plus H24. Avant de commencer, petite info qui n'a rien à voir avec le jeu, Outriders arrive jeudi et on sera en live dès minuit sur Twitch pour commencer l'aventure ensemble. Donc cela voudra dire que je vais devoir faire une petite pause Monster Hunter, mais j'abandonne absolument pas le jeu. Au plus tard, on y reviendra fin avril, voire avant. Donc rassurez-vous, les vidéos Monster Hunter Rise continueront. Ceci étant dit, on va d'abord voir une présentation globale des stats et des talents, et ensuite on va étudier pièce par pièce le build, mais surtout restez jusqu'au bout, car vous allez voir que ce build est encore améliorable, mais pour ça, il va vous falloir beaucoup de patience et surtout de la grosse chance. Donc, on a 211 d'attaque brute, ce qui est plutôt correct par rapport au katana proposé dans le jeu. Ensuite, on a une base de 86% d'affinité, et là vous allez me dire, c'est pas 100%. On y vient, rassurez-vous, mais déjà sachez que même avec 86% d'affinité, vous allez caler énormément de coups critiques, à savoir plus de 8 attaques sur 10, donc c'est vraiment une bonne base. Ensuite, défense à 383, c'est plus que correct pour le endgame. Juste en défense élémentaire, vous êtes un petit peu léger, mais vous allez voir qu'on va pouvoir pallier ces lacunes très facilement avec les bonnes bouffes plus des joyaux de défense élémentaire au besoin, notamment si un monstre a des attaques de type dragon par exemple, et qui est vraiment redoutable, on ne sera jamais dans le négatif, rassurez-vous. On arrive à la partie qui vous intéresse le plus, les talents. Ce build s'articule autour de 3 talents. Maître d'armes au niveau 7 qui va vous donner une base de 40% d'affinité. Berserker qui n'existe pas en joyau, donc ici il sera au niveau 2. Et mise à mort niveau 1 uniquement, c'est très important, car il va vous donner 15% d'affinité en plus sur les parties blessées des monstres pour atteindre 101% d'affinité. Après, on est capé à 100%, donc l'overstat est très très faible car il n'est que de 1%, alors on a ici très peu de pertes. À ça va venir s'ajouter Machine de guerre au niveau 4 qui va nous apporter un bonus d'attaque brute en plus d'un bonus en pourcentage. Crâne d'acier, c'est un talent que j'affectionne particulièrement car je déteste être stun personnellement, donc ici impossible que ça m'arrive, après libre à vous de jouer autre chose. Force latente au niveau 2 va vous aider à avoir directement le cap de 100% sous certaines conditions quand mise à mort ne sera pas actif, mais c'est clairement pas un indispensable. Mais par contre, il est de base sur certaines pièces de stuff qui nous intéressent fortement, comme c'est pareil pour l'œil de l'esprit, pardon, qui va vous donner un bonus de dégâts sur les cibles à carapace très résistante avec moins 50% de chance que vos attaques ne rebondissent plus. Et par vent et les autres derniers talents ne sont pas vraiment importants, je vais pas en parler dans cette vidéo. Alors, comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat? Déjà, l'arme sera Nuit Profonde, le katana du Nargacuga. Elle est très intéressante pour 3 choses. Déjà, le tranchant blanc, même si c'est léger, et le tranchant bleu. Vous allez respectivement gagner un bonus de dégâts de 32% et de 20%. De plus, généralement, quand le monstre va changer de zone, vous allez juste commencer, voire même pas entamer votre tranchant vert. Donc, ça va vous donner le temps de déguiser et vous ne serez pas forcé à le faire en combat. Après, si vous souhaitez avoir un plus gros tranchant via un joyau, libre à vous. C'est vraiment une base que je vous donne ici, donc vous en faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est d'avoir un gameplay qui vous convient le mieux. Autre point qui nous intéresse, ce sont les 40% d'affinité que j'ai amélioré grâce au talent calamité affinité 2 pour passer à 46%. Donc, cette arme plus maître d'arme au niveau 7 va vous offrir cette fameuse base de 86% d'affinité. Et dernier point important, ce katana nous offre un emplacement de joyau de niveau 2 sur lequel j'ai pu placer un talent de maître. Comme je vous l'ai dit, on cherche juste à avoir mise à mort au niveau 1. Seulement, c'est ce que va apporter le home du Zinogre. Alors oui, c'est pas un casque incroyable, mais il est indispensable et c'est le meilleur pour la mise à mort au niveau 1, qui est un talent qu'on ne peut pas avoir via les joyaux. Code Kadashi qu'on va récupérer pour son talent maître d'armes au niveau 1 et son emplacement de joyau au niveau 2 pour caler un autre talent de maître d'armes. C'est également la seule pièce que vous allez pouvoir changer si vous partez sur ce build, mais j'y reviendrai dans un instant. L'avant-bras Rathalos, c'est une très bonne pièce qui va vous apporter machine de guerre au niveau 2, en plus d'un emplacement de joyau de niveau 2 pour caler de nouveau un maître d'armes. On passe à la deuxième pièce la plus délicate à faire pour ce build, mais vous allez voir qu'il y a une alternative. On va parler ici de la boucle Rathalos qui va vous demander un rubis Rathalos qui a un taux de drop très très faible.
mais il en vaut largement le coup pour passer votre machine de guerre au niveau 4 et vous offrir un slot de joyaux au niveau 2 pour, vous l'avez compris, placer un autre maître d'armes. La Kamador, donc les jambes du Rajang, est une pièce très importante qui va vous apporter le talent Berserker au niveau 2. C'est comme pour Mise à Mort, malheureusement il est impossible, je pense, d'avoir ce talent en joyau. Et pour finir, vous avez le talisman qui va être la pièce déterminante pour votre build. En effet, en fonction de votre chance, vous allez pouvoir améliorer ce build, mais il va falloir une grosse luck et de la persévérance pour les moins chanceux. Ici, j'ai récupéré un talisman maître d'armes niveau 2 avec un slot de joyau niveau 1 qui me sert pour le moment à avoir crâne d'acier au niveau 3. Par contre, et là on va en revenir à la côte Kadashi, si vous arrivez à avoir un talisman par exemple qui vous offre maître d'armes niveau 3, peu importe comment, si c'est via joyau ou talent direct, vous pouvez changer la côte Kadashi uniquement par un torse avec un emplacement de joyau niveau 2 pour pouvoir caler un joyau de maître, comme pour par exemple le torse du Barrios qui offre un talent très intéressant s'il est au niveau 3, à savoir le rengainage éclair. Après, il faut bien comprendre que plus vous avez de chance et de possibilités d'avoir des talents maître d'armes sur votre talisman, plus le stuff sera malléable. Mais gardez en tête que le but reste de faire H24 des coups critiques et de rester à 100%. Vous avez également une autre variante de ce build avec la boucle Barrios. Si vous n'arrivez pas à avoir la boucle de Rathalos qui vous offrira cette possibilité d'avoir toujours les 86% de base en affinité, plus mise à mort niveau 1 pour rester à 101%. Juste, vous allez perdre 2 niveaux sur machine de guerre. Honnêtement, c'est un build qui fait très très mal. Je sais, il n'est pas à son plein potentiel, donc si vous avez des idées pour l'améliorer tout en gardant l'idée qu'on va faire du critique H24, n'hésitez pas à poster vos idées en commentaire. Et n'oubliez pas que je vous propose un build. Si vous souhaitez le modifier, faites-le. C'est un build que j'ai fait pour le plaisir, donc libre à vous de copier ou non. Mais je vous le dis, c'est tellement kiffant de balancer des gros chiffres de Komar comme un bon gros kikou que ouais, moi j'arrive pas à m'en détacher pour le moment. Allez, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura plu et au mieux qu'elle vous aura aidé, voire même donné des idées, pourquoi pas. Encore une fois, pensez à participer à l'amélioration de ce build dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Moi, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, l'équipe, et à bientôt. Ciao, ciao!